Je me suis donné l'objectif que dans 30 jours je fasse un shooting photo torse nu. Alors qui dit un shooting photo torse nu dit avoir un corps un minimum présentable. Actuellement, je n'oserais pas faire de shooting photo avec le corps que j'ai. Bon les amis, il est actuellement 10h du matin, on est plus ou moins à 30 heures avant le shooting photo pour voir mon évolution physique sur 30 jours. Alors j'ai un petit peu de stress qui vient, mais en soi je suis plutôt confiant parce que je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai bien séché, j'ai perdu un petit peu de poids, mais en soi ça va, je suis quand même content d'avoir gardé le maximum de masse possible. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas bodybuilder, que je fais ça juste pour le fun, et du coup pour faire ce défi jusqu'au bout, j'ai décidé de faire quelque chose que les bodybuilders font en général, c'est une vraie sèche. C'est-à-dire que là pendant les 30 prochaines heures, je vais plus boire une seule goutte d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bodybuilders qui font une sèche comme ça, en général les semaines qui précèdent la compétition, ils jouent avec l'équilibre sodium-potassium. Pour faire bref, ils boivent beaucoup d'eau et ils mangent très salé. Alors moi je fais ça juste pour moi, voir si ça va marcher. Si ça se trouve ça ne va pas du tout marcher vu que j'ai pas joué avec l'équilibre sodium-potassium et que je vais juste couper l'eau. Mais en soi voilà, ça va peut-être pas marcher et puis tant pis. Et puis si ça marche bah tant mieux. Mais au moins je le saurai pour les prochaines fois. Bref les amis, on se tient au courant, je reviens vers vous dès qu'il se passe quelque chose. Ciao. Les amis, j'ai deux nouvelles. La première, c'est que ça fait 30 heures que j'ai pas bu une seule goutte d'eau et que je suis assez fatigué et assez faible, mais je suis assez content parce que ça a bien séché. Deuxième nouvelle, la personne chez qui je devais aller faire le shooting photo vient d'annuler parce qu'elle a un autre contrat plus important, ce que je peux totalement comprendre. Du coup, on va faire comme on l'a toujours fait, on va le faire soi-même. Je vais faire ça tout seul chez moi, mettre un petit drap et tout, on va voir comment ça se passe. J'espère en tout cas que ça rendra bien. Sur ce, les amis, je vous laisse sur les photos du shooting. C'est parti. Les amis, je viens de terminer le shooting, je suis vidé et en même temps j'ai pu boire, donc je suis très content. J'ai vite fait regarder quelques photos et franchement je suis très très fier des photos que j'ai pu vous présenter aujourd'hui et je suis très fier d'avoir pu faire cette progression parce qu'au final voilà, j'ai fait un mois de diète on va dire normale, j'ai fait des soirées, j'ai fait des cheat meals et au final j'ai réussi à avoir un résultat qui est plutôt pas mal, donc en vrai je suis vraiment content de cette progression. Si vous avez aimé ce petit challenge et cette petite évolution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you. Hey Rose, oh yeah, I'm finna pop, yeah baby, hit the spot like summer and some dipping dots. Jackpot sound coming at you through a different slot. You can try your luck but end up missing from a liver shot. Ooh yeah, oh baby, it's my season. Straight up out the water, I'm so well, I'm artesian. Girl in my DM, every time suspicion hit you, ask about